Clown de Dieu ou du hasard, ridicule fantoche du théâtre de la vie, devrais-je reprendre à mon compte la terrible sentence de Shakespeare? Les crimes honteux viennent à la lumière, combien un enfoui au plus profond du sol! Cédera de nouveau à cet hiver glacial et les arbres recouvront vigueur et jeunesse. D'une sève telle du sang, exhortant à la sauvagerie de la conformité de la raison sociale. Dans ce calme explosif de la vie recouvrée, je ne puis concevoir d'autre futur que l'horreur. Horreur de la vie, happée, en pleine éclosion, et que mon violon grinçant étouffe de musique mielleuse. Il y a des images que je ne puis ôter de ma mémoire. Retrouvons l'amnésie de l'enfance. Pleuvait-il ? Pleuvait-il ? Les tonneaux roulant dans l'ombre, les bagages recherchés aux consignes de l'oubli, les torrents de fumée noircissant les faciles ces agares, joncs et saules couvrant les rives des marécages asséchés, les sonneries, les sifflets, les stridences du silence plus obsédantes que tous les autres bruits. Le bruit des roues, les zigzags roues qui faussaient d'une quinte de tout l'horizon. L'horizon peut-être s'éclaircissant de nouveau. Et les bagages aussi, peut-être retrouvés. Et l'ombre. Et l'ombre roulant dans les tonneaux d'écume. Pleuvait-il ?
que j'ai toujours redouté dans mon métier de clown, ce sont les regards des enfants. Ces regards d'attente, d'illusion, de désillusion. Depuis que je suis ici, ces regards me sont autant de couteaux qui écharpent mes plaies et fouillent mon corps. Paysage, si on peut parler de paysage ici, m'est encore plus blessure et meurtrissure. Les regards, les viols amers. Et cet arbre-là, la terre, meuble, grasse, lourde. À l'horizon des néants, la ligne schématisante. Le soldat, laboureur, comme dans un tableau de Millet. Comme dans un tableau de Millet. Un ciel lourd de conséquences pour faire croire. Comme si quelque chose restait à croire encore ici. Les cannes hésitantes, obsédantes. Martèlement du bitume et les yeux crevés des viols amers de la nuit, cette nuit, au ciel constellé d'étoiles toutes identiques, jaunes, accrochées là comme dans un sapin de Noël. Noël. Et rien ni personne pour le fêter ici. Le feuillage vineux de la nature pourrie et les troncs en vert gris s'uniformisant au reste du camp. L'ombre humide des bouches d'enfants tordus de douleur et la branche échardée comme un Christ janséniste. Je sais même plus si je suis encore un clown! Un clown, ça se devrait d'être drôle pourtant. Je n'ai guère eu le cœur à rire ces derniers mois. C'est là le moindre euphémisme. Monstrueuse consigne des corps. Ce camp n'enferme pourtant ni les âmes ni les rires. Pourtant, je me sens comme cassé. Cassé dans ma certitude de clown. 3 ans déjà. Je ne suis plus que la pâle imitation d'un clown. Ah, ça, il est loin le temps où les drames existentiels des intellectuels se retrouvaient dans mes pitreries et mes grimaces faciles. Mais le rire est souvent le premier masque de la peur. Ces messieurs qui gouvernent, au nom d'on ne sait quel prétexte démocratique fallacieux, devraient davantage réfléchir aux vertus du rire. Mais qu'ils n'oublient pas nos tortionnaires d'aujourd'hui, que ces façons commodes de laver les crimes ne lavent pas les gouvernements. Une vie se résume en 2 mots, comme disait un poète. Solitaire et solidaire. Solitaire, je l'étais. Par ma vie professionnelle. Solidaire, je le suis devenu dans le crime, l'abject, l'horreur et les remords qui, j'espère, un jour assailleront les consciences, si on peut parler de conscience de nos bourreaux. Du délire des rois, les hommes seraient-ils punis, comme disait Horace. Mais vous seriez-ils punis, moi, le fou du jeu de cartes, je me demande parfois si c'est pas vrai. Coupable. Mortels et malheureux, parce que nous sommes coupables. C'est nous qui rendons nécessaires tous les maux physiques, les
puis surtout la guerre dont nous plaignons ensuite l'humanité affligée. Étudiant, je me souviens, je découvrais que toute espèce animale était assujettie à une force, à la fois cachée et palpable, et se montrait continuellement occupée à mettre en valeur les principes de la vie par des moyens violents. Et puis, en philosophie, on apprend, et la vie se charge de vous le rappeler, cette théorie qu'au-dessus de ces nombreuses races d'animaux est placée l'homme, dont la main destructrice n'épargne rien de ce qui vit. Il tue pour se nourrir, il tue pour se vêtir, il tue pour se parer, il tue pour se défendre, il tue pour attaquer, il tue pour s'instruire, il tue pour s'amuser, il tue pour tuer. Mais cette loi s'arrêtera-t-elle à l'homme, hein? Non, sans doute. Mais cependant, quel être exterminera celui qui les extermine tous, hein? Dieu, diront certains. Les clowns ne croient pas en Dieu. Dieu n'est qu'un joker de plus dans un jeu de cartes. Une carte faussée pour la triche. Mais alors, ce sera l'homme qui sera chargé d'égorger l'homme. Oh. Oh. Aucun Auguste n'avait encore imaginé cela. Empereur de la suie, roi de la piste, aucun grotesque du cirque n'avait osé imaginer semblable entrée ou sortie comique. Le mouvement perpétuel de la mort. Car il y a quelque chose d'indiciblement comique dans la mort. Et je préfère en rire plutôt que de verser des larmes de sang sur la destruction systématique qui est appliquée ici. Et ce qui m'afflige le plus dans cette grimace suprême, c'est que l'homme, mon frère, mon semblable, se jette une tête baissée dans l'abîme qu'il a lui-même creusé. Il donne, il reçoit la mort sans se douter que c'est lui qui a fait la mort. Oh, la terre entière, continuellement imbibée de sang, n'est qu'un autel immense où tout ce qui vit doit être immolé sans cesse, sans mesure, sans relâche, jusqu'à la consommation des choses, jusqu'à la destruction du mal, jusqu'à la mort de la mort. Mais le clown viendra pour l'ultime grimace. Et alors, le clown exterminateur tournera. Ce malheureux globe autour du soleil ne laissera respirer une nation que pour en frapper d'autres. Mais alors les crimes, et surtout les crimes d'un certain genre, se seront accumulés jusqu'à un point marqué. Le clown pressera sans mesure son tour de piste infatigable, pareil à la torche tournée rapidement. L'immense vitesse de son mouvement le rendra à la fois présent sur tous les points de sa redoutable orbite. Il frappera au même instant de son rire vengeur tous les peuples de la Terre. Oh, n'attendez pas qu'il fasse le moindre effort pour échapper à ses grimaces ou pour abréger son jugement critique et satirique. Et on verra ces grands coupables éclairés par leur conscience qui demanderont le supplice et qui l'accepteront pour y trouver l'expiation. L'enfant, c'est avant tout un regard. Une espèce de vide, l'unité d'éternité. Confiné à deux pupilles perçantes qui vous transpercent le corps et l'âme comme tant de vérités que vous auriez voulu faire taire à vous. Et certains s'imaginent qu'il est aisé de faire le pitre sur la sueur pour détourner ses regards. Mais capter le rire et le moment de la conscience. Cette forêt de regards qui m'entoure, et dans laquelle je ne puis me frayer un chemin de petits poussets compris, de cadavres laissés sur mon chemin comme les petits cailloux blancs de mon remords futur. Cette forêt me glace dans sa patience attentive et dans sa quête d'absolu. Que dirai-je plus tard? Que répondrai-je à mes enfants? Si l'existence m'accorde de les revoir. Quelle entrée comique
pourrais-je bien trouver ou inventer pour oublier et faire oublier ces allées sans retour que je distribue là comme d'ultimes dédicaces à des admirateurs. Je hais cette odeur prégnante de chapiteau chauffé au brûlot de l'horreur. D'autres avant moi ont déjà dit que la vie n'était qu'un cirque. Mais nul n'avait osé imaginer la mort comme pirouette ou charivari de l'infernal. J'ai bien cru que je ne parviendrais même pas à me maquiller. Le contact des phares et de ma peau ne me semble plus qu'une brûlure purulente. J'ai bien l'impression qu'à chaque fois, les gerçures de ma culpabilité se crevassent encore plus. Et les enfants qui m'attendaient, tous maigres, triste, comme quittant, mendiant cette ultime représentation, pour en finir plus vite avec la sottise des adultes et leur monstruosité. Une petite fille, Rachel, me prit la main. Et pour la première fois, je ne connaissais pas cette main, qui, comme une tentacule de pieuvre, venait violer ma propre identité. Ma main ne se refermait pas sur la sienne, mais était visqueuse, comme une empreinte de sang. Il me fallut presque 20 minutes pour considérer à sa juste valeur ce geste apparemment anodin d'une petite main de fillette aux anciennes. Soudain, ma fausse tranquillité et ma morale volaient. Une morale qui ne me convenait pas, mais que par obligation j'avais faite mienne. Une morale à eux, nos monstres. Et au tribunal de l'histoire argumenteront une quelconque éthique socio-militaire à faire frémir les rats eux-mêmes. Les rats. Oh, les rats. Les rats. Les rats, je me souviens avoir étudié leur comportement lorsque je travaillais chez Krohn. Un prestidigitateur en présentait une vingtaine dans son numéro. Il me fascinait, il me terrifiait à la fois. Un peu comme ces coléoptères humains, instincts meurtriers qui nous servent de geôlier. Mes bras me gênent depuis que je suis ici. C'est pour ça aussi que je ne pouvais supporter la main de cette petite fille, m'invitant à la conduire à la mort. Mes bras me gênent. Eh oui. Ces excroissances de chair terminant imparfaitement mon corps me sont odieuses. Tentacules larvaires, on les dirait faites pour freiner mon envol. Ailes inutiles, nageoires inventées. Nulle utilité pour nul effet esthétique. Bien au contraire. Et puis
Ces bras malades me font atrocement souffrir. Mes jambes n'en parlent pas. Ces excroissances oisives, ces membres inutilement ajoutés pour m'obliger à me mouvoir dans ce marécage de vie en partant. Jusqu'à mon sexe, qui en érection, ce qui m'arrive de moins en moins souvent, me semble comme inutilement recollé à un tronc très large, suffisant. Insectes, peut-être aurais-je supporté ailes et élytres. Quoique je me demande bien à quoi ça peut leur servir de voler à ces pauvres petites bêtes minuscules, médiocrement ridicules dans leur petitesse. Tétards. Ah, voilà, somme toute, ce que nous sommes. Des tétards aux peaux déchirées par des membres poussants et soudain comme paralysés dans leur croissance. Ah, combien de nuits ai-je rêvé de me trancher ces deux bras qui, le long de mon corps, replié sous mon buste, sagement croisé sur ma poitrine ou étendu au-dessus de ma tête, ne m'en reste pas moins comme inutile et bêtement étranger. Toute vie porte en elle ses zones d'ombre, même celle d'une enfant. Je travaillais chez Kimi, avec Fillet, mon partenaire d'alors. J'ai assisté impuissant à ces bagarres infantiles. Les affrontements, les cris trouvent en éclat des moments de calme apparents, mais une autre manière de rompre le rythme, encore plus insidieuse et encore plus violente, réside dans les rires qui cachent une menace. C'est atroce. Atroce de découvrir qu'à l'oreille de la mort, des êtres humains pouvaient ainsi semblablement se mettre dans tous leurs états, et particulièrement celui de la violence exacerbée. Clown, déjà, j'avais dressé ce constat. En assistant un jour au cruel affrontement entre un fils amarre, dompteur de fauves, et un descendant Hook, qui lorgnait alors une jeune trapéziste du cheptel nord-africain. Il se serait battu jusqu'à ce que mort s'ensuive, si quelques colleurs d'affiches
n'étaient pas intervenus pour les séparer. Oh, 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 oh. Ils avouaient, à qui voulait l'entendre, s'être battus par plaisir et par jeu, oubliant ainsi leurs querelles et leurs intérêts réciproques. Cela m'a toujours amené à penser qu'on ne peut pas jouer sans sincérité. Il y a une sincérité immédiate toujours requise. On peut faire sans sincérité, sans engagement immédiat. Et pour moi, il s'agissait de savoir si le clown était patient de la chaîne des actions qu'il produit, ou si au contraire il était bien l'acteur de cette chaîne d'actions. En somme, je me suis battu avec moi-même. Allô ? Autodestruction souhaitée ! Traquer la facilité. Cette grimace du clown, utilisée sous un prétexte de naturel et dont parlait un maître comme Copeau pour le théâtre, je hais la facilité. Elle-même est porteuse d'erreurs, d'aberrations et d'horreurs. Puisse la vie misérable que je mène m'épargner un regain d'existence, je crois qu'il me serait impossible de me supporter alors. Grok ! Grok, oh, un merveilleux comique et grotesque suisse avait, avant cette putain de guerre, excusez-moi du peu, mis au point un numéro exceptionnel. Assis sur le dossier d'une chaise, il jouait une sonate avec un petit sifflet. Il continuait de jouer la sonate en mimant avoir avalé le sifflet. Dégagé par un numéro de cirque et de clown en particulier. Il n'a jamais empêché la petite musique intérieure en chacun de nous de jouer son ou ses refrains. Et nombreux sont les enfants qui ne peuvent oublier cela. La musique intérieure a été rompue par des bruits de bottes que j'espérais tellement loin et qui se sont rapprochés dangereusement. On n'échappe pas aux références culturelles, hein. Quand bien même des plus simples issues des films aux lectures qui permettent à chacun d'enrichir les personnages, d'apporter un aspect nouveau à la situation. Et ces images demeurent ensuite en nous et nous font vivre différemment le reste de notre existence. Le clown, lui, ne joue jamais des états, mais plutôt des comportements, des situations. Est-ce que la nostalgie se prêtera un jour à un numéro de clown ? Chez les Fratellini, tout appelait à la réminiscence. Et chaque geste, chaque grimace interpellait la mémoire. Et celui qui aime la réalité aime encore plus le jeu. Et c'est pour ça que les enfants aiment jouer. Les enfants sont nés clowns. Et c'est pour ça certainement qu'ils les aiment, parce qu'ils se retrouvent en eux. L'enfant est déformé par l'école. Sinon, on n'a pas besoin de lui apprendre à exercer la spontanéité, plutôt que de dépendre d'attitudes uniformes. Les enfants que j'ai accompagnés ce matin m'ont fait repenser à tout cela. Des regards.
sans animosité. Ne montrant aucune souffrance du fait de ma trahison, m'ont forcé à tourner le visage dans un autre sens. Et esquisser à mon violon quelques larmes hâtives. S'il m'aurait fallu pour ma survie, celle des miens, me débarrasser de cette sensiblerie qui force mon âme et mes sens. Moi, que je n'appelle sensiblerie, tout simplement de la sensibilité. Que je découvre qu'au contact des bourreaux, on devient soi-même bourreau. Et même plus que... Ce matin, le camp accueille de nouveaux pensionnaires. Pauvres petits êtres égarés. De jeunes juifs roumains élevés dans le sérail d'une église, ayant pu cependant échapper à la vigilance gestapiste. Les enfants restaient regroupés autour de l'un d'eux. Un plus âgé. Un jeune garçon de 16 ans environ, mais que la vie avait prématurément vieilli. Il veillait à ce que tous aient sur eux une bourse de quelques pièces de monnaie, un morceau de bougie et un court bâton. Je m'enquis du pourquoi de cette préoccupation et là, l'adolescent me conta cette singulière légende. Malgré tes grimaces et tes pitreries, tu ne peux nous cacher l'issue de notre séjour ici. Nous savons tous que nous allons à la mort. Et même ceux d'entre nous qui refusaient de le croire, je me suis fait fort de les convaincre. Il y a, parmi les religieux qui nous ont élevés, car nous sommes tous orphelins, un vieux prêtre qui nous contait toujours que, lorsque l'archange Michel et ses milices eurent battu Lucifer et ses légions révoltées, les portes du ciel s'ouvrirent et les vaincus furent précipités sur terre. Ils tombèrent ainsi pendant 3 jours et 3 nuits consécutives, jusqu'à ce que la porte céleste se referme sur le dernier rebelle. À cet instant précis, chaque démon demeura fixé à l'endroit où il était tombé, et certains dans les montagnes et d'autres dans les plaines. D'autres encore, n'étant pas parvenus jusqu'au ciel, demeurèrent dans l'espace comme échelonnés entre ciel et terre. Les larmes de ces derniers, disent les Bucaniens, donnent naissance aux étoiles filantes.
Et ils n'en prennent de plaisir qu'à attirer le malheur sur l'homme qui les heurte du front. Une de leurs interventions les plus originales est d'avoir établi, tout le long de la route qui mène de la terre jusqu'au ciel, une série d'étapes appelées douanes. À ces douanes, des discussions interminables s'engagent alors entre ces méchants accusateurs d'une part, et l'âme et les bons anges d'autre part. La pauvre n'est en général tirée d'affaire qu'après une intervention énergique des bons anges, et au paiement d'un bakchich. C'est pourquoi dans les campagnes roumaines, on a soin de munir le mort soit de quelques pièces de monnaie, soit, pour les plus pauvres, de petits pains spéciaux, appelés kolachi, qui servent autant que l'argent à racheter l'animosité des démons. Dans le Bior, on place dans le cercueil, le long du mort, une bourse de quelques laines, un bâton et une bougie. Oui, mais pourquoi ces deux derniers attributs manquent-ils alors auprès de ce gène ridicule des croyances populaires roumaines? Parce que, me dit-il, le paysan connaît entre la dernière étape et le ciel une épreuve terrible. Le pont du ciel! Dans d'épaisses ténèbres, cette passerelle aussi étroite que la tranche d'une lame de couteau est jetée par-dessus un abîme sans fond peuplé de monstres épouvantables. Les très grands pêcheurs tombent dès les premiers pas. Les pêcheurs moyens tombent vers le milieu. Et ceux qui n'ont que peu de pêcher tombent à l'autre extrémité et peuvent se rattraper. Le bâton qu'on donne à chaque mort et la bougie lui serviront de soutien pendant la traversée du pont. L'argent qui lui restera, après les nombreux payages qu'il devra laisser aux douanes, lui serviront à obtenir l'aide de l'être préposé à la garde du pont. Je fus effaré par ces révélations et par l'outrecuidance de ces croyances populaires roumaines. Voilà bien un accommodement des forces du bien et du mal tout à fait dans l'esprit de l'Église catholique. Un journal allemand circulant dans le camp l'autre jour montrait mieux encore. Une photo de Pie XII bénissant les troupes allemandes et italiennes s'opposant à une tentative de débarquement dans la péninsule transalpine. Gott mit uns! Dieu, suprême clown de la conscience des hommes. Ce matin, j'ai accompagné les petits Roumains sur le pont sans retour des ténèbres. Les pleurs m'étaient insupportables. Et Palek, le jeune garçon qui a glissé dans la poche droite de mon costume un morceau de bâton, une bougie et quelques laines. Et cette phrase terrible qu'il m'adressa lorsque la porte se referma sur eux. Bientôt, tu passeras toi aussi les pillages de la mort. Car lui montrerai-je aux démons et aux anges qui viendront tirailler en moi mes remords et mes fausses allégations? Peut-être que je pourrais m'en tirer en retournant me promener sous les chapiteaux de tous les cirques d'Europe, nu comme un ver, simulant la folie. Nous gouvernons aussi leur dieu. Dieu du mal, forciste de la cupidité des hommes, catalyseur de la monstruosité collective, il a ramené certains d'entre eux au rang des plus grossières espèces du bestiaire imaginaire d'un Jérôme Bosch ou de l'imagier d'un catéchisme pour analphabète. Et ce soir, je ne suis plus qu'un rongeur de pouce pris au piège.
donne à penser que lorsque les êtres humains ont acquis la capacité d'attention consciente et de réflexion rationnelle, ils ont été tant fascinés par ces nouveaux outils qu'ils ont oublié tout le reste. Nous avons identifié notre sensibilité totale avec ces... En somme, pour reprendre quelques penseurs, notre philosophie de l'action oscille entre le volontarisme et le déterminisme, car nous ne nous rendons pas compte de l'indissolubilité de ce nœud et de l'identité de ces actions et des nôtres. On a fait de finir. Mon roulement marin déferle dans l'arbre pèlerin au coquille de sable. Comme fait un rouleau, repassant un virage amenuisé par l'eau d'un geste insaisissable. Mais quand même les hommes se tairaient. La vérité crie. Voilà ce que savent ceux qui pensent. Ceux qui font une quelconque distinction entre une plaie fermée et une plaie guérie. Ceux qui ne confondent pas les affirmations du code avec les solutions du droit. Et qui ne croient pas que la volonté momentanée de la loi suffise pour réprimer l'éternelle révolte de la réalité méconnue. Faire silence, ce n'est pas faire la paix. Il y a quelques différences entre un consentement et un bâillon. Alors certes, comme disait un poète, dont j'ai encore une fois oublié le nom, peut-être Victor Hugo, on m'accordera, hélas, que ce qui est vrai de presque toutes les époques de l'histoire est aussi un peu vrai de la nôtre. On m'accordera que la quantité d'indignité de certains hommes se mesure quelquefois à la quantité de leur pouvoir. On m'accordera que les assemblées peuvent être nommées dans les jours de malheur et imprimer fatalement à tous leurs actes leur manque d'origine. On m'accordera que les majorités n'ont pas toujours raison. On m'accordera que le soldat ignore quelquefois la justice, le prêtre ignorant Dieu. Cela s'est vu dans l'Antiquité, cela se voit encore aujourd'hui mieux, cela se voit tous les jours. De là les temps de misère que connaissent les peuples comme notre pauvre monde. Minute sombre. Ah, et le poète de rajouter pour tout gâcher. Oh, je sens qu'il est beau que l'inclémence du gouvernement doit avoir pour réplique la clémence d'un peuple. Le nerf de l'or. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça va pas dans ma petite tête là. C'est à force de chercher comme ça en vain une raison de survivre que tu sais plus ce que t'écris. Mon nez est pas rouge de plaisir mais de honte. Honte sur moi et sur les miens. La colère me monte de plus en plus à la tête. Et les philosophes n'admettent pas qu'il puisse être dit ou fait quoi que ce soit pour les besoins de la colère. Pourtant, c'est vrai. C'est vrai qu'à certains moments, il fait nuit dans les hommes. Il fait nuit dans le prêtre. Il fait nuit dans le juge. Il fait nuit dans le soldat. Et au-dessus du soldat, dans la consigne. Au-dessus du petit prêtre, dans le dogme. Et au-dessus du juge, dans la loi. Et alors ? Alors rien n'est plus sinistre. Car ce n'est plus seulement l'homme qui est noir. C'est le ciel. En parlant de ciel, est-ce que les pauvres petits Roumains auront traversé sans encombre la passerelle aussi étroite que la tranche d'une lame de couteau? Ce couteau s'est planté dans mon corps à tout jamais. La culture est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Car seul résiste à la mort le désir de vivre. Alors certains êtres naissent chefs de groupe. Il y a le bélier, il y a le taureau, il y a le coq. Ce sont les chefs de parti. Et en dehors, il y a les solitaires. Le lion, l'aigle, le génie,
Chacun suive sa loi. Ma blessure suppure d'histoire fantastique. Il s'attarde la langue, des fausses brumes nocturnes. Le phallus de la chambre de mort ensemence le ciel de son venin noirâtre et abreuve la nuit. Et l'œil blafard des pensantes ailes, des maïs éventrés à la verge effilochée, barre des dents ricanement sonore, cavement du cheval de bois sur un cœur d'enfant et la jambe arrachée d'un autre coulant le sang de l'humanité dans mes rêves défaits. On ne peut enchaîner un clown. J'en suis convaincu. Mais le clown peut lui-même s'enfermer dans son costume et sous son maquillage grotesque. Alors, il ne reste plus que le rire. Serait-ce le rire à l'âme ? Ils ont enfermé le corps, mais l'âme sourit de elle. Elle est libre, comme disait la mère. Ah, ça oui, oui, elle est libre, oui. Oui, elle est libre, et elle sourit d'eux, vils esclaves de leur bassesse, même serres infâmes de la peur, à jamais ensevelies dans leur lâcheté et murées dans leur crime. Ce qu'ils ont là, en leur puissance, qu'est-ce ? Rien ! Aujourd'hui, un peu de chair, et demain, une poignée de cendres. Mais leur verrou arrête-t-il ma pensée ? M'empêche-t-il d'être au milieu de vous, frères de cirque ? Et la vie de ses enfants, n'est-ce pas ma vie ? Quand ils souffrent, je souffre avec eux. Quand vous autres résistants, vous luttez, je lutte avec vous. Il y a comme un souffle invisible qui passe de vous en moi et de moi en vous, j'en suis convaincu. Qu'ils le saisissent, s'ils le peuvent. Ba-ba-ba-ba-dum. Matin, je suis encore plus écœuré par mes silences que tous les autres jours. Un gosse récalcitrant fut puni cette nuit. Malgré ses supplications, ils le pendirent par les avant-bras, les poignets joints derrière le dos. Sa douleur était atroce. Puis vinrent de nouveau l'extinction des feux et le grand silence qui troubla à grand renfort de gémissements. Une sentinelle l'invectiva durement. Le gosse fut alors élevé de terre de quelques centimètres de plus. Ses jambes se recroquevillaient sur la colonne en quête d'un appui pour soulager ses bras déjà meurtris de brûlures de cigarettes ou je ne sais quel autre sévice. Mais il ne se tut pas. Des coups lui furent assénés. L'ensemble de la chambrée ne parvenait pas à trouver le sommeil de manifester une vive indignation et la sentinelle qui excitait du bourreau de l'extérieur. Du haut de sa pendaison, le gosse urina sur les codétenus étendus à ses pieds.
le déchaînement. Pauvre gosse, il n'avait plus rien à espérer. Vers 3h du matin, il se tut. On n'entendait plus que quelques râles. On avait dû perdre connaissance. Au réveil, à 5h30, un officier donna l'ordre de nous dépendre. Il tomba au sol, inerte. Vers 9h, une sentinelle passa le prendre. On lui défit ses liens et on lui remit ses vêtements de fortune. Sur 20 mètres de cours, je le vis tomber 4 fois. La sentinelle qui l'accompagnait dut le porter comme une petite chose brisée. Il n'en revint jamais. Il est mort avant d'avoir été présenté au chef de camp. Ignominie sur ses bourreaux et sur soi-même. Aujourd'hui, le clown grimace encore plus que tous les autres jours. Quand donc tout cela s'arrêtera-t-il ? Du temps, de l'espace et du nombre, une grande clarté qui s'achève en grande ombre. Que faire, hélas ? Savoir suffit-il pour pouvoir ? Ah, il me revient à l'esprit ces deux phrases de Saint-Beuve que M. Crow, le directeur génial de cirque, se plaisait à faire inscrire au fronton de ses caravanes, toujours plus colorées, toujours plus extravagantes. Les très grands individus se passent de groupe. Ils font centre même et l'on rassemble autour d'eux. Mais c'est le groupe, l'association, l'alliance qui peuvent faire les petits. C'est à peu près ceci, je crois. Combien je plains, autant que je hais cette meute de loups, torture gratuitement des peuples sans défense. Mais qui peut-il donc être cet Hitler ? Du nom duquel il se gargarise ? Bah, pla, 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 pla. Quelle sorte d'être a pu être engendré là ? Je sais pas. Quelle mère ?
a bien pu mettre au monde un semblable déchet? Pire qu'un loup, pire qu'un rat, moins qu'un oiseau de proie! Mais cet homme-là est un ver. Un ver? Oui, un ver, et tous ceux qui le suivent aussi. Oh oui, 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 tu as raison, un ver. Un ver des vers se repaissant sur le charnier de millions... De millions... D'hommes... De femmes... Et d'enfants! Le clown... Le clown de ne plus rire... De ne plus pleurer, de ne plus penser, d'attendre... D'attendre quoi, mon Dieu? La passion de l'enfant, c'est plus dévastatrice, plus meurtrière que les coups assénés par les bourreaux eux-mêmes. Je suis de ces hommes en qui une passion profonde a détruit le pouvoir de sentir une affection nouvelle. Bientôt ce cauchemar sera terminé. Ah, endormir de ces folles espérances. Mais n'attendre plus que le jour où les barbelés seront enfouis à même les blés neufs. Ce soir, je ne me démaquillerai pas. Je veux que mes larmes tracent dans le phare les sillons de la moisson nouvelle. Et puis dormir. Je suis le grand clown de l'humanité. Mieux que Foutil et Chocolat. Plus fort que Fratellini. Plus grand que Grog. Je suis la marionnette du dieu du cirque. Le Gaspard de la sueur. Le guignol du chapiteau. L'arlequin de la délivrance par le rire. J'ai expliqué aux enfants de ce matin ce qui les attendait. Nulle terreur dans leurs yeux. Une seule ombre. Lorsqu'ils comprirent combien j'avais triché avec tous les autres. Et alors? Alors délivrance soudaine quand j'ai tout exposé. Je ne sais pas où sont mes enfants. Dans ce camp, dans un autre, nul ne le sait. Ou alors personne ne veut m'en dire davantage. Aujourd'hui, je mets un terme final à ce petit journal, tenu avec l'ardeur du désespoir. 15 jours de honte. 15 jours de réflexion pour parvenir à convenablement pleurer de nouveau. Aujourd'hui est un grand jour.
L'immense Smesny, le clown des clowns, a enfin pleuré. Et en ce jour où le clown pleure, il est temps. Il est temps que je tire une révérence à cette chienne d'existence. Je me laisse enfermer avec les enfants ce jour. Je veux mourir avec eux. Et faire de mon dernier éclat de rire cassé et faussé la grimace qui témoignera de l'horreur insolente de la vie. Adieu, mes enfants. Si vous lisez un jour ces lignes, ne me jugez pas trop vite. J'ai fait... qu'écris-je ? J'ai enduré tout ceci pour vous. Et pour le souvenir de votre mère, qui, elle, n'a jamais supporté cet enfermement du corps et de l'esprit. L'instinct de l'âme. Elle l'avait. C'est ce qui m'a manqué dès le premier jour. Sûr que je ne devais pas être un bon clown jusqu'à ce jour. Que retentissent les cuivres de l'orchestre. Que les projecteurs s'illuminent. J'arrive. Qu'une ambule du rire, j'arrive. Funambule de l'âme recouvrée, sur le pont sans retour des enfers. Smesny, clown génial, mourut en compagnie de 480 enfants dans les chambres à gaz de Térésine, la veille même de la libération de ce camp par les forces alliées. Les responsables, pour un dernier baroud de l'horreur, exécutèrent pratiquement tous les enfants encore internés dans les baraquements de bois du campement. Smesny ne savait même pas que depuis 2 ans, ses propres enfants avaient été exécutés, avec plusieurs milliers d'autres enfants juifs, tziganes. A-t-il tenu un journal ? Nul ne le sut jamais. Le temps de prendre une douche et je vous rejoins dehors. Merci beaucoup de votre attention.